Infinity. Et Alpha pour Bravo, je mets un petit peu de temps, j'ai dû traiter une patrouille sur POV1 qui montait sur nous. J'ai spoté plusieurs des prototypes, un sur le point H1, l'autre sur le point H5, et j'ai bien peur que les autres soient plus au nord, donc a priori il va vraiment falloir que tu te tapes toute la base. Ah, trouvé. Je pense que dans un premier temps, débarquement sur le point K, c'est encore ce qui est le plus efficace. Moi je peux attirer le feu et je pense que je vais progresser de mon côté en direction de Madrid et Hector en fait. Au fur et à mesure que toi tu remonteras à l'aéroport, bien pris. T'es reçu. Je te demande 2 secondes de le temps de finir. Il n'y a pas de soucis à ton signal. Ouais, regroupez-vous. Ça pète. On entend les tirs nord-est. Ok, on va monter dans les bateaux. Oula, traçante. Je prends de suite droite avec de gauche avec Darnac. Je te laisse conduire Darnac. Ok, on peut assumer que la diversion a été commencée, donc tu peux faire mouvement pour débarquer sur quai. Je t'invite à débarquer au nord-ouest de quai et rusher directement H5, je pense que c'est plus efficace pour toi. C'est reçu. Je voulais avoir. Regarde, attends. Ok. Bon, côté, j'ai commencé à traiter du on monde. Se met en avant, bleu, rouge, vous commencez à partir. Le lieu d'abordage, ce sera dans la petite baie au nord-ouest de quai, du point quai. Vous voyez? Drop 2 ou drop 3 Non, le point quai, juste dans la petite baie au nord-ouest du point quai. Ouais, visu sur point. Voilà, vous nous emmenez là-bas, ça chauffe déjà, ils ont commencé à faire diversion. On a 2 prototypes dans la zone centrale de l'aéroport et 2 prototypes sur la zone nord de l'aéroport. Donc on va devoir défiler du sud au nord sur l'aéroport. Vas-y, suis Tarnac. Tarnac? Oui, j'ai un petit problème. On attend ou on part en avant? C'est parti, on y va. Excuse-moi, quand j'ai poussé le bateau, j'ai pris des listes, du coup je me suis pris des listes. Ah, ok. Le Bravo pour Alpha, on est en route, on arrive dans une trentaine de secondes sur le. Débarquement, on perd pas de temps. Le premier bateau, quand vous débarquez, vous prenez secteur nord-ouest et un groupe prend le secteur nord-ouest, l'autre groupe prend le secteur nord-est le temps que le deuxième bateau débarque. On a obtenu pour le gars de terre de droite devant. Little bird de fond. Répète. Little bird. Répète. Il y a 2 soldats au niveau de la citerne devant. Azimut. Je suis sur le quai, là on va débarquer. On débarque pas exactement sur le quai les gars, on débarque plus dans la baie, au fond de la baie. Mais n'hésitez pas à tirer sur eux s'il faut depuis le bateau. Ok, de Bravo pour Alpha, on a des contacts isolés sur le quai qui vont tensionner notre débarquement. Ok, c'est reçu, faites attention au tir croisé. Contact sur le port traité par l'autre équipe. Est reçu, donc rouge vous prendrez l'avant gauche au débarquement, bleu vous prendrez l'avant droite, on restera sur place où tout le monde est débarqué. Ensuite on avancera sur le premier hangar qui est sur la gauche. C'est reçu? Reçu.
Attention. On a des spots lumineux, probablement une lampe torche dans les hangars. On sécurise la berge pour l'instant. Touché. Ok, rouge, bleu, vous allez avancer sur le hangar de gauche. On reste derrière avec blanc. On sécurise le hangar de gauche. Très nombreux contacts, est-ce qu'on peut faire feu? Ouais, feu à volonté. Bravo pour Alpha, on a débarqué, on commence à engager, on a déjà des contacts nombreux sur notre secteur nord-ouest. De Alpha, c'est bien pris. On joue beaucoup avec un vitesse d'ordre qui nous fait des passes, donc on bouge beaucoup, on essaie d'engager au mieux, mais on n'est pas très efficace en plus. Temporise les gars, si c'est trop chaud, vous reculez. On a touché. Ouais, ça lance, ça tire à la grenade. Sous le lampadaire. Sous le lampadaire là-bas. J'ai été touché. Bravo pour Alpha, on va avoir besoin de votre soutien là, on va pas pouvoir avancer sur les premiers hangars sans vous. C'est bien pris, on va essayer de faire au mieux, on se redéploie. La berge vers le sud est claire. Ouais. Ça va, pas de blessés, pas de morts? Si, moi je suis blessé. Soigne-toi. C'est mon Dranax soigné, je suis soigné. C'est quoi ce départ de groupe sur le sud-ouest là-bas? Quelqu'un peut jeter un œil sur le hangar, voir si on peut y aller ou pas? Ouais, je pense là, ouais. Ok, on va faire ça en perroquet, en rush. Bleu et rouge, vous avancez, blanc, on reste sur l'arrière. Ok. Quel hangar précisément? Celui de gauche. Celui de gauche, ouais, aussi. Vas-y, bleu, on suit. Et vous hésitez pas à suppresser pendant la progression. Bon, on est parti alors, rouge, en avant. Parti. Dranak, écho tir sud-ouest. Je crois qu'il y a des contacts sur ce nœud sud-ouest. Ok, de bravo. Confirmé, à droite de la cuve, la grosse cuve. On va essayer d'avancer vers le hangar de gauche. Attention, je parlais du hangar qui était sur notre nord-ouest. On a deux hangars parallèles sur le nord-ouest, c'était celui de gauche dont je parlais. Vas-y, reviens la vie, reviens. Mystery, c'est toi sur le hangar? Il y a derrière les petits sacs là, il y a des mecs pas loin du tout là. Ah putain, c'est ce hangar là? Ouais, c'est ce hangar de gauche là. La vieille! Le hangar, hangar azimut 320. 320... Au pas de course. Il y a déjà bleu là. Emmène nous Goya. 320. Là c'est plus ça. Ah, je suis Kingdom moi perso. T'as un lac? Là. T'es chaud? Allez go. Prêt. Putain. Allez hop. Ah là, ça va pas venir là. Merde, je crois qu'il y a un homme à terre là à côté de nous. Négatif, ennemi. Ah, vieille, t'es là? Ouais, je suis là, Gaïa. Ok. Ok, tout le monde est là, ça va. Ah merde, y'a un mec blessé là. Allongez-vous et regardez de l'autre côté de la butte si ça va être secure dans le hangar ou pas. Sinon, vous revenez en arrière. Ok, ça a l'air clair. Hélico Nord, ça nous survolait. Ok. C'est clair pour. Ok. Rouge, vous progressez vers le hangar, apparemment c'est clear. Oui, en avant.
Ben vous suivez. Merde. Contact sud-ouest. Je vais flanc droit. Allez, passe de l'autre côté de la butte dans l'ac. J'ai reçu. T'as cours au sud-ouest. J'ai juste sur drone. Bleu rouge, vous me sécurisez le hangar, on reste sur les arrières avec Darnac. De la droite là? Celui où on est là, ouais. On a un véhicule bah, sur l'ouest. Ouais, ouais, mais essayez de, garder les... essayez de garder les angles. Couvert, là. Tu l'as vu ton mec, Darnac? Ouais, ouais, sur la route, sur le passage sud-ouest. Je te confirme. Au niveau entre les deux hangars. Arrivé massif du nord-est. Au niveau de la fuite, smoke déployé, ennemi. Ok. Et il reste dessus, Darnac. Reçu. J'ai drone en visu plein nord, environ 200-300 mètres. Ouais, ok. Hangar H11. Oh, bravo, attendez. Approximatif, quoi. Bravo, on a pris pied sur le hangar H4 pour l'instant. On maintient la position, on repère un peu les lieux et on essaie de défendre. J'ai bien pris de moi, ça devient difficilement tenable ma position. Okay. Je pense que je vais carrément descendre sur l'aéroport avec vous et prendre position sur les quais. Vous appuierez plus efficacement. Ok, sur reçu, on sait vraiment pas ce qui nous entoure, hein, donc c'est à toi de juger. Okay, donc, globalement, continue ta progression vers le nord, mais fais ça vraiment, prends ton temps, fais ça sécure. H11. Ok, deux hommes nord-est en approche. Nord-ouest, tu veux dire, ou nord-est? Nord-est? Nord-est, est. Ils sont à quelle distance? 100 mètres. Ok, engage. 100 mètres, c'est bon. Ouais, ouais. Il veut pas se rentrer, l'enfoiré. Ok. Omi, passe derrière la butte là. T'étais exposé là, ouais. Un, deux, ouais, derrière moi. Voilà, comme ça t'es plus à l'abri. Mystery? Oui. Oublie pas d'encadrer Omi. Hein. Je sais pas où il est en fait là. C'est moi ou ils viennent de larguer un parachute là-bas sur l'est? Oh putain! Ah bah ils sont éjectés. Bon, c'est bon, ils l'ont vu. Je dis, bah il est là ou Omi, il est juste sur la butte là derrière toi, ah, Mystery. Ouais. Ou sur ta gauche, sur l'ouest. Les deux alpha font bravo, on a éliminé le Battleboard armé, on est en train de se redéployer sur nos hunters de manière ensuite à se redéployer avec les véhicules sur le. Cours encore nord-est. Abattu. Bleu, vous bougez sur le hangar en 340. 340. Voilà. Yeah. Ah. Il est derrière, ouais. Hésite pas à répondre, hein, ou à mettre quand on te parle. Couvrez-les les gars quand ils traversent. J'ai vu les cartes de couvre. Ah, ok, hangar propre. Ok, rouge, rejoignez. Par contre, on a un drone sur le hangar qui est juste à votre droite là. Ouais, c'est reçu. Ah, là, que tu te rapproches de moi, on va partir. Coller. De bravo Alpha, on bouge vers le hangar H8. Allez go. C'est bien pris. Ok, j'ai du contact à S300 mètres en approche. Qui on a? On a qu'un drone? Non, deux. Il y en a un azimut 20. Vas-y, bleu, avance sur le. Il y a un petit cabanon de l'autre côté, avance dessus, essaie de me faire un. Attention, il y a un technical armé nord. Loin? Il approche? Sur la. Non, il est statique, il est à gauche de la tour de contrôle là. Ok, le mec est descendu. Mystery, ça c'est. Vas-y, on l'allume. Ok, il est mort. Il y a d'autres mecs plus au nord, à l'autre bout de l'île. Vas-y, essaye de les fumer. Essaye de les fumer avec Wami. Wami, va avec Mystery, essaye de fumer les mecs là-bas. Ah, ils sont trop loin là, c'est pas possible. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Ah, essaye de les fixer au moins. Il y a un drone dans le hangar H15. Okay, ce que je vais faire, je vais passer de l'autre côté. Ouais. Est-ce qu'il me fait chier? Bravo Alpha. Parlez. On a vu le drone qui est sur le hangar H11 ou H10 je crois. Est-ce qu'il est où le deuxième?
J'ai vu que deux drones pour ma part sur le hangar H1 et un autre putain, sur le hangar il est H5 je crois. Merde, il est là-bas. Merde, je l'avais pas vu. De quoi? Le drone qui était sur le hangar en 140 là. Je vais me redéployer pour ma part sur Hector, j'aurai un autre angle de vue si je, de là j'espère spotter d'autres véhicules et te communiquer leur place. Voilà. Tu viens d'où ça? Qui est rouge. Il y a du nord. Arrive, je soigne. Torse. Ah t'avais pas compris un coup quand je t'ai pas dit. Repis-toi, repis-toi, dans le hangar. Contact, sud-est, nous tirons dessus, 100 mètres. Allongé, difficilement acquérable. Merde, c'est con, c'est là-bas que je voulais qu'on aille justement. Shot, 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 shot. Mystery ? Ouais. Tu peux partir sur l'hangar d'où on vient, j'avais pas vu le prototype, okay. Il est en 140. Quand ça se calme, tu traverses et tu pars sur le hangar en 140. Et ensuite tu reboucles sur l'autre, on te couvrira d'ici pendant que tu places une charge, ok ? Ok, claqueur, timer. Timer, comme ça on sera pas emmerdé. Ok. Ok, de bravo pour Alpha. Parlez. Bon bah, il était premier, pas à faire un gros premier prototype, on l'a raté, il était sur H5. Ouais. On va faire un petit détour par H5 pour placer une charge dessus et on va mettre un timer dessus. Donc, essaye de pas t'approcher de H5. Go. C'est bien vrai. Rouge, vous les couvrez, Drannak avec moi, on va couvrir la piste vers le nord. Dessus. Oh putain, oh tout compte fait, on va rester peut-être ici. Oh putain, ça tire dessus là. Je crois qu'on allait dire qu'il y a une du sud-ouest. Ouais, possible que ça vienne du sud, les gars. Ouais, le gars n'a pas été traité, hein, pour info. Ah ok, merde. On garde le sud. On garde le sud, gardez la couverture rouge. Ok. Donc je passe sur le nord. Ils sont arrivés jusqu'au hangar. Ouais, essaie de passer sur le nord, Darnak, je vais rester sur le sud. Pas de problème. Ça va, bleu? Ça va. Confirme, on reboucle par le hangar qui est à notre est. Tu passes par H4, tu vas sur H5, tu poses ta charge, tu repasses par H4 pour revenir sur nous ensuite. H4 et j'aurai ok. L'alarme. Elle vient de s'enclencher ? Ouais, si j'entends l'alarme, effectivement. Ok, de bravo Alpha. Attention à vous. Parlez. On a une alarme qui vient de s'enclencher sur base, on sait pas si on risque d'avoir des renforts. Ouais, c'est bien pris, on l'a eu aussi de notre côté. Ça va, Drannak ? Ouais. Ok. Ok. Il y a encore des mondes là-bas qui arrivent. Goya, aide-moi à fumer le mec qui est sur le sud là-bas. Azimut 199. Tu le vois, il est au milieu, devant le dernier hangar. Ah, je crois que je l'ai eu. Je l'ai eu, c'est bon. Tu peux reprendre la couverture. Ok, on a bleu qui revient. Ils sont là. Parfait. Ils sont dans le hangar de droite. À notre droite, direct. Ok, parfait. Rouge ? Ouais. Bascule de l'autre côté vers le nord, là, tu commences à basculer de l'autre côté de la petite butte. Il y a un cabanon, tu commences à prendre position dessus et tu commences à prendre une couverture vers les prochains hangars qui sont aussi vers le nord. J'ai bien pris. Allez, bleu, vous suivez ? Oh, elle est derrière. Il y avait du contact à l'est. Ah fuck, je suis bloqué. Je crois que c'est ce qui m'a tiré dessus tout à l'heure. Drannak, t'as dit quoi ? Multiple contact au nord en bout de piste. Ok, on fait comme on a dit. Rouge, vous basculez de l'autre côté. Bleu, vous montez sur la butte, vous les couvrez. Attends, on est pris. C'est Ami ça ou quoi? Non, c'est pas Ami. Non, c'est pas Ami. Ok, un individu droite traité. Bon, bah on attend que ça se calme alors. Encore un mec sur le sud là. C'est bon, traité. Quand ça se calme, on fait comme on l'a dit. Bleu, vous mettez sur la butte, rouge, vous basculez de l'autre côté. Ok, rouge, t'es là avec moi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Et bleu, on est prêt à couvrir là. Ouais, ça tire. Ok, gauche, vu. Juste à gauche du hangar là. Ouais, bien vu.
Bien joué, bien joué. Je suis sur le côté gauche. J'ai le drone en visite. Ok, bleu, vous les suivez ? Arnaque, tu viens ? Et ouais, on descend. Là. Et on va s'allonger sur la butte ici. Bien pris. Vas-y, Lavier, on prend cet angle. Okay. On fait des binômes. Je couvre ton flanc, Wamai. Attention, ça tire là. On est protégé par les containers, mais. Pas gaffe. Ok, de bravo pour Alpha. Effectivement, il y a du mouvement en nord. Parlez. On bouge de H8 vers H11. Bien pris. Bien, on va se mettre le long de. Tu vas aller là-bas, à gauche, ça tire. Pas vu, hein. Ça tire, ouais. Bien, on va aller vérifier ça à gauche. Ça marche. Assurez à gauche, assurez à gauche, je surveille ta droite. Si tu peux acquérir quelque chose. Je suis derrière toi debout. Alors, en fait, c'est. Ok, ça arrive à droite. Ok, rouge. Oui, c'est tout ça. Vous allez prendre la position de bleu là sur la droite. Bleu ? Ouais. T'en finis d'ouvrir. Venez, vous allez avancer sur la gauche. Y'en a qu'avec moi sur le cabanon. 70. Viens moi Maï. Bon, pour moi c'est clair, tu confirmes? Ok, mouvement. Recoller. Moi Maï, à gauche. On se met où à gauche là? Venez, ah venez, oui, vous allez longer le cabanon là. Ouais, y a des, ah celui-là, ok, d'accord. Ouais, vous allez le longer. Okay. Y'a du monde sur les technicals. Viens, on reprend la place de bleu. Y'avait du monde à l'est, hein. Bien pris. Ouais, faites gaffe, y'avait du monde à l'est, rouge. Il y a des technicals, okay. Hein, vous avez fait gaffe. Il y a du monde sur le technical. Vous allez avancer sur le prototype, pareil, poser une charge. Et revenir ici, on va vous courir en haut avec blanc. Arnaque ? Je suis là, à ta droite. Tu te mets sur le même endroit que moi, mais sur la droite ? Reçu. Ah, oui, où oui, tu oui, peux pour les couvrir, quoi. Ouais, moi je couvre la gauche et toi tu les couvres direct. Ah, j'ai rien sur la gauche pour l'instant. Vas-y, je vous couvre. Go. Merde. Ah. Je recharge. Mystery, fous-moi plutôt un claqueur sur celui-là. Pas possible, j'en ai pas. Wow. C'est pas loin ça. C'est bon, c'est le prototype. Ok, on a du monde plein net sur la crête, au niveau de la maison qui est sur la crête. Là, ça se trouve, il y a des gens à nous. Ok, reste là, Darnac. Je vérifie une grande chose. Bravo pour Alpha. Recule. Quelle est votre position actuellement? Actuellement, on est sur Madrid. T'es sur notre sud, sur notre position, et puis quelques contacts sur la partie est. Vas-y, on prend ta place du coup. Là où il y a la fumée. Répétez, quelle position? Reçu. Ok, pour info, les copains sont sur Madrig, donc sur les hauteurs dans les collines, donc okay. Tout ce qui est sur la base, c'est ennemi. Attends, ça va, tu arrives à pousser dans le nord. Multiple contact au nord sur la piste qui nous engage. Je crois qu'on va y rester. Ouais, je te confirme, on est entre H8 et H11, on a détruit deux prototypes. Pour l'instant, on va pas pouvoir pousser trop vers le nord, on va temporiser. Et j'ai bien pris. Ah, pas de perte avec l'explosion? Bah, je crois que Kouama il est resté à côté en fait. Merde. J'ai hurlé à côté, j'ai dit à la radio, il a pas eu l'air de vouloir bouger. Mystery, mets-toi sur la gauche là. Ouais. Merde. Je sais pas, je mettrai plus de claqueurs de 30 secondes. Merde. Mon binôme. C'est pas cool en plus, c'est un petit nouveau. Ah, je lui ai dit qu'on décollait en 15 secondes, c'était pas pour déconner. Ah, ça couvre au loin là-bas, mais tu veux que je tente de tirer là? Je pense que je vais gaspiller beaucoup de balles. Hein. Non, c'est juste que tu gardes la sécurité. Merde, j'aime pas. Ça me ferait cool d'aller voir s'il est encore vivant. Ah, je sais pas, il a bien volé. Hein. Il était juste à côté, il était dans le hangar. Ah putain, ok. On verra en passant quand on avancera vers le. Tu veux, je peux y aller moi. Hein. Non, c'est bon. On va mon bilan, hein, on va avancer, tu regarderas quand tu passeras à côté.
Ah mais si on attend, c'est sûr qu'il va se vider de son sang. Ok, rouge, rebouclez sur nous sur la gauche, on va commencer à avancer vers le... derrière le hangar qui vient d'exploser, azimut 30. Vous pouvez commencer à avancer dès que vous êtes revenu sur notre position, azimut 30. Il y a des barrières H, vous prenez appui dessus, vous prenez appui dessus et vous allez jusqu'à la butte derrière. Mystery, suis-les, comme ça tu sais où il est ton pote, tu pourras aller regarder direct. Ok, j'y vais. Oh merde, c'est trop con ça. Ouais, confirmé, Wamai mort. Ok, reçu, Dranak, tu passes bleu, binôme avec Mystery. Vous essayez de vous mettre sur la butte là, un qui regarde plutôt vers le nord et un qui regarde et un groupe qui regarde vers le nord-est. Bravo pour Alpha. Vas-y, Dranak, on y va. On a perdu un homme dans l'explosion du deuxième prototype, on avance vers la tour de contrôle. Bien pris pour information le dernier prototype. Les mecs sonores sont très énervés. Le troisième. Goya. Merde, Goyaka est à terre là. Ah putain. Trop proche du feu. Recule-toi à coup, je le prends. C'est bon. Contact dans la tour, nord. À l'entrée de la tour, au nord. Oui, ok, oh putain, oui, ok. Mon Goya est mort. Merde. Je vais lancer une grue. Vas-y. Et grenade. La vieille, tu restes avec moi alors. Ça marche. Il y a peut-être des trucs. Je vérifie. Mystery, ça va? Mystery aussi à terre, bordel de merde! Oh bordel! Bon, on bouge plus là, on reste sécur. On est blessé, c'est parce qu'on tombe comme des miettes. Putain. Je suis blessé au braco, je sais pas pourquoi. Soigne-toi. La vieille, essaie de checker Mystery si tu peux. Ouais, il est où? Sur la gauche. Okay. Et bravo pour Alpha. Parlez. C'est une hécatombe, on n'est plus que 3, on est à environ 50 mètres de la tour, mais on est pinned down par un tireur embusqué dans la tour. Dranak, Dranak, laisse tomber Dranak. Traité, de tenir ta position plutôt que de forcer, on va manœuvrer. On va manœuvrer pour venir te chercher et t'appuyer. Ok, on reste là. On interdit. Okay, c'est bon. Pas besoin de se montrer, pas besoin de chercher le kill, on a notre équipe qui va essayer de nous soutenir. Pour info, je suis soigné. Sauf si c'est vraiment sécure et qu'on peut directement s'exposer et maintenir. Alors, contact, plein nord, long de la piste, un homme seul, en train de, je suis en train de le traiter. Ok, ça marche la vieille. Je couvre de est-nord-est pour info. Y'a un mec là-bas, Contact, oui. Traité. Ok, prends ce secteur-là, là, c'est nickel. Oh bordel. Allonge-toi s'il faut, Dranak. Monte un peu et allonge-toi, ce sera très bien. Au moins... tu prendras moins de temps à répliquer, plutôt que de te planquer, de perdre le visu, et puis de... Ok. Et Alpha pour Bravo. Bravo. Je suis actuellement sur Madrid, je vais déployer les hunters, je vais descendre sur ta position. Donc on va arriver par ton est avec les véhicules, on va essayer de faire jonction sur toi. Ok, c'est reçu, c'est plutôt calme ici, on a encore des contacts sporadiques sur le nord de l'aéroport, mais sinon c'est à peu près net. Et de notre côté, on a pu traiter les mecs un petit peu sur le nord-est de l'aéroport, donc on se redéploie pour tout ce qui est, on va essayer tous ensemble d'aller chercher les derniers objectifs. Ok, vous êtes comment en munitions? 5 chargeurs, c'est bon. Ok.
Ils vont venir, les copains vont venir par l'est avec les véhicules, ils vont venir directement sur notre position. Alpha pour Bravo, pour pas qu'il y ait de confusion, je vais arriver tout feu allumé. J'ai repéré un phare à l'est, point info, derrière les bâtiments. Ok, d'accord. Ouais, lumière, je sais pas si c'est un phare. Souvent, les mecs sont pour Alpha, vous allez peut-être avoir des contacts sur la route en venant vers nous. Ouais, c'est fort probable, on va essayer de pousser malgré tout. Ok, tu vois les véhicules là-bas, c'est les copains. Oh putain. C'est les copains là-bas. J'ai deux fumis sur... Garde ton secteur dans l'axe. Ok, secteur. La vieille. On va attendre que le copain soit là, parce qu'à 3, de toute façon, on peut plus pousser là. Tac tac, je vais craquer une lumière. Ok, de Bravo Alpha, Bravo sur lumière bleue. Oh putain, juste à côté de nous, 100 mètres, toujours nord, gauche de la piste. Vas-y, feu, vous répétez où tu es. Proche. Ah putain, il est derrière les deux. Sur lumière bleue. Ah ouais, t'es optimiste avec tes 100 mètres, j'aurais dit 200 moi. Ouais. Ah, il réplique. Il s'est arrêté. Ok, nickel. On a une lumière juste à côté, sur la gauche, je sais pas si tu la vois. Ouais. Les phares là ? Bah, je sais pas si c'est des phares, j'arrive pas à voir ce que c'est en fait. Bah, ça comme les mecs se baladent avec des lampes torches, des lampes torches. Ouais, ça doit être un lampadaire là, c'est immobile je pense. Ouais, ok. Ah oui, exact, c'est les trucs de la piste. Alors ils arrivent. Alpha pour Bravo, je suis actuellement au nord du point K. Je vais essayer de remonter sur toi, mais on s'est fait engager donc j'ai les véhicules endommagés. Côté sud. Reçu, on tient la position. Ouais, on a les copains sur le sud, ils sont sur le point K, mais ils ont perdu les véhicules. C'est bien pris. Il y avait carrément une mitrailleuse lourde là. C'est sûrement Alpha qui l'a désingué. Toute menace identifiée a été traitée. Ouais. En tout cas sur la gauche, côté piste. Toujours RAS sur l'est. Ok, de Bravo pour Alpha. Parlez. Ça s'est bien calmé pour nous. Ah, quand je dis ça, on prend des tirs. Attends. Et ça s'est pas mal calmé pour nous, vous pouvez progresser sur notre position, on pourra reprendre l'avancée des gousserets là si ça marche. Et c'est bien pris, je mets un peu de temps à bouger, là j'ai un véhicule bloqué, donc on a essayé de le débloquer. Et j'ai un phare à l'est derrière les murs, sûrement lampe torche ennemi. Je me propose pour prendre, je pense qu'on a pas trop mal nettoyé le nord-est, on a un prototype sur H1, sur H15. On va essayer de se servir des véhicules pour tous ensemble se déployer le plus vite possible. Le chef veut qu'on utilise les véhicules, donc on va rester ici, on va les attendre. Ok. Merde, contact nord. Départ de coup. Justement, ils sont en train de tirer dans le véhicule. Ouais, je suis là. Il est derrière le camion. Ok, c'est bien pris.
Ok, c'est bon, il a compris. Tu parlais de quel camion? Le camion de logistique là, en 350. Il était derrière le camion. Tiens, d'ailleurs, il y a une fumée qui a popé juste derrière aussi. Ah, oui, si. Donc le mec à l'est, Drake, tu l'as pas vu? Négatif, lampe torche derrière le mur, derrière la tour, la citerne. Reçu. Le véhicule en approche. Ouais, c'est sûrement les copains si c'est au sud. Ouais, c'est les copains. Tu vois la fumée au nord? Ouais. Ouais. De temps en temps, elle s'éclaire de l'intérieur, c'est magnifique. Les lumières parce qu'elles sont ouais, couper les feux. Ouais, Alpha, on est là. Okay. Désolé pour le délai, on a eu quelques difficultés à descendre. Inadmissible. Je sais. C'est ce que j'ai dit à mes hommes. Dernier contact isolé 350 là au niveau de la fumée derrière le camion et aussi peut-être contact isolé sur l'est. Ouais, isolé sur l'est, on a subi leur courroux donc c'est sûr. C'est des mecs qui nous ont plus ou moins suivis dans notre progression et qui sont redescendus avec nous. L'idée, ça serait d'aller sur H15 en profitant du fait qu'on a maintenant des véhicules blindés et d'ensuite retraverser l'aéroport dans la foulée pour aller sur H1. Est-ce que on tente une progression pour aller choper un technical ou deux? Engagé ou pas? Ah, si t'as des contacts, ouais, ouais. Oui. Ouais, ouais, engage là. Mettre colline droite de camp. Défile en droit. Putain, c'est loin ça. Ok. Bah ouais, Nat, je sais pas, t'as pas vu d'armes lourdes après sur la progression vers le nord? La seule qu'il y avait, on l'a traité, qui était sur le quai 2. Le long du quai 2, on l'a traité. Ça peut se tenter. Donc genre je pense que ouais, ça peut se tenter. Vous pouvez avancer avec les véhicules et nous on suit à pied. On peut faire ça, ouais. Comme ça, s'il y a du bousin, on sera prêt à réagir et on le saura sans qu'on soit en tête. Des tirs, c'est parfait. Ok. J'attends juste de voir s'ils traitent les derniers contacts. Et... Non mais, ouais. Comme tu veux. Et derrière le rocher pour le moment. Merci. Un fois, il tire. Hein. Oh là. Ça bouge tellement, je suis pas appuyé du tout quoi. Nad. Ok, je suis supporté. Je crois qu'on va bouger vers la tour. Et Orzen, c'est parfait, vous embarquez dans un véhicule chacun. Tarnac. Okay. Oui. T'ouvres la marche, on part sur la tour là. La vieille, tu au suis nord. Je ferme, ouais. Ok, et parti. Ah, je l'ai foutu en merde. On va passer par la gauche de la tour. vous passe par la gauche, mais on s'expose pas trop. Hein. On essaiera de rester en arrière, on va laisser les véhicules ouvrir la marche, comme ça on verra s'ils prennent des tirs. Oh, bien vu. Bien joué, bien joué. Chargeur. Entrée clear. De bravo Alpha, est-ce qu'on clearerait pas la tour? On a déjà eu deux contacts au rez-de-chaussée. Vas-y si tu peux, vas-y. Ok, la vieille Drenac, vous faites la tour de haut en bas, vous clearez l'escalier vite fait, vous redescendez. Bien pris. Et les gars, le hangar H15 c'est le hangar le plus loin sur votre nord. L'idée ça va être que vous allez progresser tous les deux à 10 km/h max et l'infanterie va progresser avec vous. Vous allez servir de couvert, si ça tire je vous dirai de vous arrêter. On va rester un peu en arrière, en je colonne. Pense, Nad, qu'est-ce que t'en penses? Bah il faut qu'on avance vers l'objectif, de toute façon c'est toi qui as les sapeurs et... Mais on vous suit, c'est juste que on... Si vous prenez du tir, on le saura. On sera prêt à réagir, mais on n'avancera pas plus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, l'idée c'est que les véhicules te servent de couvert. Si tu les laisses partir devant, t'as plus de couvert, je comprends. Ouais, mais au moins on sait qu'il y a de l'ennemi, on n'est pas obligé d'avancer. Tout en haut de la tour, on fait seulement l'escalier. Juste l'escalier, ça suffit. Je le vois pas, enfin, c'est du pari humain. C'est toi qui vois, si tu veux qu'on suive les véhicules, on va le faire, mais ça va être un peu plus dur de synchroniser. Je sais que t'aimes bien servir de. Non, c'est pas une question de bien aimer, mais c'est juste que ça me paraît le plus logique. Bah ouais, vous pouvez pas répliquer dans les véhicules, mais vous pouvez attirer les tirs, quoi. S'il y a une reconnaissance par le véhicule. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je vois, mais c'est pas le but. Mais c'est toi qui décides. Moi, je propose, seulement. De toute façon, il faudra y aller, donc voilà. Il faudra y aller, donc... Et par deux coups, attention avant-gauche.
Ah là, clavier, ça va prêts, tu... Dès que tes mecs sont finis de nettoyer, ils descendent. Ouais. Et je pense qu'ils doivent avoir du contact depuis là-haut. C'est pas une mauvaise idée d'avoir des... Ouais, non. Faut qu'on avance. Ok, Drana, clavier, redescendez. Les véhicules, tu vas les faire avancer sur la gauche là? Non confirmé. Ouais, je pense qu'on va se passer avec les véhicules à gauche et à droite, on a quand même pas mal de couverts avec les bâtiments. Ok, donc on va se couvrir sur la gauche des véhicules. Sur la droite des véhicules. Ou sur la gauche, enfin peu importe, honnêtement. À droite, pour moi, t'as des bâtiments tout du long, mais. Il fait souvent ses rapports. Ouais, mais on va coller aux véhicules si tu veux qu'on serve d'eux comme d'une couverture mobile. Ça serait bien qu'ils mettent. Oui. Ah oui. De cette discussion. Nad, j'arrive pas à comprendre ce que tu veux, il faudrait que tu sois clair. Ah, qu'on est redescendu, prof. On colle au véhicule. On colle au véhicule, je vois pas ce qui va clair en fait. Ouais, vas-y, fais démarrer tes véhicules, on va les coller. Nad, Dranak, la vieille, on va suivre les véhicules, on va servir comme couverture. Et direction en colonne, vous deux, direction plein nord. Le but, vous nous amenez au hangar le plus lointain, 10 km/h. C'est parti. Voilà. À la rigueur, la vieille avance avec Nad, je vais me mettre avec Darnak sur le deuxième véhicule. Oh putain, on dirait un jeu de plateforme. Ça va Darnak? Ça va, je surveille l'est. Ok. Arnak, le prototype est dans le dernier hangar, c'est toi qui vas devoir te charger d'aller mettre les charges. Reçu, claqueur, compte à rebours. Vous stoppez devant le. T'as pas de claqueur, je crois, tu pourras mettre qu'une minuterie. Tu mets 2 minutes. Très bien, je vais quand même regarder si j'ai des claqueurs. Si t'es un claqueur, mets un claqueur. Reçu. Vas-y. Claqueur ou 2 minutes, j'y vais. Embarquer tout le monde dans les. À coup. Embarquer tous dans les. Ouais. Ok, tout le monde embarque dans les véhicules où vous pouvez. Ah merde. Je monte à l'arrière ici. Ok, la vieille embarque. Je suis conducteur. Ok, de Bravo Alpha, tous mes hommes sont dans les véhicules, on peut partir. Et le dernier prototype est tout au sud de la piste sur le hangar H1. Dernier hangar au sud de la piste. Bravo Alpha, possible contact au sud de la piste, on a eu des contacts isolés là-bas et on n'a pas nettoyé à fond. On s'arrête, on débarque. On
débarque. Oui, excuse-moi, je me suis trompé, on va écrire tapis en fait. Est placé en ligne direction est. Ok, la vieille. Ouais. En ligne direction est, comme le chef il a dit. C'est reçu, je suis à ta droite. Je suis à ta gauche. Ouais, on est déjà en piste ici. On avance ? Ou on maintient ? L'idée c'est chope un visuel sur le Ah putain, d'accord, autant pour moi. Chope un visuel sur le secteur. Ouais. Moi je vais faire un bond avec mes gars sur le premier véhicule en 80 là, avec un véhicule. Je me place et après à ton tour tu prends le second véhicule et tu fais un bond directement sur le hangar. Ça te va ? D'accord. Et donc je te laisse te mettre en place pour courir. Mon équipe, on se retrouve sur le premier hangar. Tu le vois le prototype d'arnaque dans le hangar ou pas ? Moi je le vois pas. Je te dis ça. Le hangar qui est devant nous ? Ouais. C'est le dernier, tu vois, ouais, affirmatif visuel. Ok, parfait. Ok, allez, on embarque, on va perdre plus de temps. Et de Alpha pour Bravo, de notre point de vue c'est clear, donc tu peux faire ton bon. Hop. Allez, il est bon. Ok, t'as on rejoint. S'abord, on y va. Ouais, tu vas direct sur le hangar. C'est reçu, on fait un bon sur le hangar. Passe sur leur droite. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. Essaye de mettre le véhicule en protection comme tu peux, prêt à repartir. C'est bon, on peut descendre. Ouais, c'est parfait. Pose ta charge dans la gueule, vas-y. Ferme, 2 minutes. Ouais. De Bravo, on bien. Pose la charge 2 minutes comme la précédente. Bien prêt. Y'a un contact devant nous, la vieille. Pas de visu. Ah, le mec là-bas ? Ouais. Putain, j'arrive pas. Bordel. Incroyable. Okay. Putain, je suis passé dessus en plus. J'ai pas vu quoi. Charge posée, 2 minutes. Ok, allez, on décroche. Bravo, charge posée, on décroche. Allez, à bord. Je vais te rejoindre, je prends la tête et on va évacuer. Il est là, nous blé. Ils vont nous montrer la direction. Passe, tourne à droite pour les, par contre pour les rattraper, il sera nickel. Je crois que le mec qui avait cassé ses lunettes. Passe à gauche, passe à gauche, passe à gauche. Ça c'est la droite, pas grave. Il n'y a pas confiance dans le hangar. Je pense qu'ils ont continué sur la route. Ou pas ? Tu les as vus partir ? Quand j'ai vu que je suis parti. Ah, ils sont directement à droite, ils sont déjà sur les quais. Vas-y, continue, d'accord, prends okay. À droite là. À votre droite, c'est ça ? Ouais. Ok. Directement là. Voilà. Je les ai vus partir là. De Bravo pour Alpha, on vous a perdu. Est-ce que tu veux qu'on prenne les Zodiacs ou on les laisse sur place ? Non, contente-toi de te barrer au nord, sud-est, pardon. Ah, je vais en direction de l'insertion. Ok, c'est reçu, on vous rejoint. On aurait pu faire les Zodiacs, mais je pars du principe que les Hunters sont plus précieux que les Zodiacs. J'ai pas vu exploser le truc au nord, moi. Mais si, un pack confirmé. Ok. Ouais, l'avant-dernier, il a bien détruit. Ok, nickel.
Allez, vas-y. Ouais, ils sont allés au point d'insertion. Eh ben ah d'accord. Non, t'as pas le droit. Oh bordel. Qu'est-ce qu'il fait ce véhicule? Bouge pas. Putain, c'est chelou hein. Ouais, oh. Moi je descends. Non. Wow. Je reste avec toi, Drenac. On a un problème. T'es bloqué? Si je descends, on tombe sur la gauche dans un ravin. Il recule. Non, stop. Il y a un rocher juste derrière toi, donc reprends la position que t'avais précédemment. Non, attends. Non, attends, vas-y, avance de quelques mètres, avance de 2 mètres, avance de 2 mètres. Stop. Ouais, c'est bon, t'es reparti. Vous attends. Non, vas-y, moi je vais te suivre à pied.